Camille. Camille. Alors, ma question. Comment masquer son désir face à Maya Mazorette? Je pense c'est Enora qui a inversé sa question avec la mienne. Genre, vraiment, t'es gonflée, Enora. Et alors, du coup, la réponse? Alors, je sais, c'est très difficile, mais merci vraiment de l'avoir posée, parce que je pense que tout le monde se pose la question en plateau depuis toujours. Oui. Comme vous le soulignez, il y a des situations où l'expression du désir n'est pas forcément compliquée. Donc, plutôt que de masquer l'expression, moi, ce que je vous propose, c'est de complètement dégommer le désir directement. Et pour ça, je vous propose de vous inspirer des techniques que les hommes prennent au lit quand ils veulent pouvoir durer plus longtemps pendant un rapport sexuel. Il y en a 19% qui, pour ne pas jouir, préfèrent penser à leur travail. Il y en a 15% qui pensent à quelqu'un de moche. 13% qui pensent à du sport. 11% qui pensent à des maths. Les autres pensent à des objets, des personnes autres que leur partenaire, des ou objets, même leurs grands-parents. Voilà, une poignée de porte, la liste des objets. Vraiment, bah, stylo, je pense, des lunettes. Lampe de chevet, poignée de porte, siège inconfortable, tout ça marche très bien. D'accord. Stylo. Merci beaucoup, Maya Mazorette.